le Samsung Galaxy A3 en version 2017. Le milieu de gamme de chez Samsung qui est sorti en même temps que son grand frère, le A5, début février. Et téléphone qui est en ma possession donc depuis une bonne quinzaine de jours. Donc téléphone que j'ai pu tester assez en long, large, en travers, on va dire. Alors pour commencer, bah, la boîte, hein, je vais sortir la boîte histoire de vous faire voir, mais elle est un petit peu dépouillée parce qu'il y a une offre de remboursement donc, qui concerne le A3 mais aussi le A5. Pour le A3, vous avez 30 euros de remboursé par Samsung et pour le A5, c'est 50 euros. Donc il faut renvoyer le code barre hein, que vous dépouillez sur la boîte. Bon, après, c'est chacun son truc. Donc une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique avec les informations qui sont reprises au dos de la boîte, comme souvent, qui va me servir tiens, de bloc-notes. Je ne me souvenais pas, j'avais rien préparé, ça tombe bien. Donc je vais me le mettre là sur le côté. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver bien évidemment le chargeur, hein, qui n'est pas un chargeur de. Qui n'est pas un chargeur de charge rapide. Ça, c'est réservé au A5, le A3 n'y a pas le droit. Donc bien sûr, le câble qui va avec. Alors. Hop, le câble en USB type C, ça c'est la nouveauté, on va y revenir tout à l'heure. Les écouteurs, donc les écouteurs c'est des intra-auriculaires donc de chez Samsung avec la petite télécommande hein, qui vous permet de, par exemple de passer au titre suivant, de monter, de baisser le volume, hein, le classique, et bien sûr de téléphoner. Hop là, intra-auriculaire d'assez bonne qualité dans l'ensemble, hein, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais, ben, après un petit réglage on arrive à quand même avoir des basses, ça manque un peu de basses au début. Et puis, aux surprises, moi qui viens du monde d'Apple, j'ai été quelque peu surpris de rencontrer un adaptateur, donc l'ancienne norme USB vers la nouvelle USB type C. Donc, ma foi, c'est bien pratique quand on a des câbles qui traînent et qu'on va encore utiliser. Au moins, on n'est pas obligé de racheter des adaptateurs. On est de ce côté-là tranquille. Et on trouve, évidemment, bah, c'est pour ça qu'on a acheté la boîte, c'est pour le téléphone qui se trouve dedans. Donc, le A3 2017. Donc, du verre devant. Sur le côté, c'est plutôt de. C'est de l'aluminium. Et derrière, bah moi je croyais que c'était du plastique au début, en regardant les specs sur internet, je me suis aperçu que c'était du verre. Et on a un peu l'impression, comme ça, en tapotant dessus, d'avoir du plastique. Donc Samsung a réussi l'exploit assez incroyable de faire passer du verre pour du plastique. Donc pourquoi pas, l'effet plastique by Samsung. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on va faire un petit peu le tour du téléphone. On a bien évidemment, alors je sais pas, comme je l'ai pris en noir, c'est peut-être pas tellement visible. Je vais tenter de faire un zoom. Non, même pas, ça marche pas. Alors, donc, ah voilà, c'est un peu mieux. Donc, on trouve les volume plus, volume moins sur les tranches. Sur ce côté-là, donc, on trouve ici, on va trouver le tiroir micro USB et nano SIM. Un tiroir qui fait à peu près, une fois qu'il est incorporé, à peu près cette taille-là. Donc vous avez intérêt d'y aller doucement pour pas que ça déraille. Sinon vous allez le retrouver avec les cartes dedans. Le petit micro d'ambiance donc qui permet de supprimer les bruits pendant les conversations. Hop là, on tourne par ici. Nous avons donc, hop là, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Donc le bouton de mise en route du téléphone, de mise en veille. Et le haut-parleur. Alors, il n'y a qu'un seul haut-parleur sur le téléphone et il se trouve sur cette partie-là. Alors, d'après Samsung, c'est pour avoir le son à peu près correctement, donc en tenant le téléphone comme ça. Donc, sauf que moi, j'ai toujours tenu mes téléphones comme ça. Donc, c'est un peu dommage. Du coup, je mets le doigt dessus. Donc, bon, c'est une habitude à reprendre. Haut-parleur correct, d'ailleurs, au passage. Hein, on est dans du milieu de gamme, mais ça reste quand même correct. Au-dessous, la prise jack. Molesté et supprimée par Apple, elle est toujours là chez Samsung. Le petit micro ici et donc l'USB type C. Donc le A3 et le A5, c'est les deux premiers téléphones chez Samsung qui bénéficient de cette nouvelle norme. Alors c'est comme le Lightning chez Apple, vous pouvez brancher dans n'importe quel sens. On va prendre le petit adaptateur. Hop là, alors le petit adaptateur, je suis mis en face. Donc que vous le branchiez comme ça ou comme ça, voilà, c'est l'USB type C. C'est magique, ça permet de ne pas se casser la tête. C'est vrai que l'ancienne norme n'était pas terrible de ce côté-là. Donc, sur l'arrière du téléphone, donc le logo Samsung, l'appareil photo, donc simple ton, et l'appareil photo, donc tout le monde aura remarqué qu'il ne déborde pas, contrairement à Apple notamment, ou certains, allez, mon iPhone 7, quoique l'iPhone 7, ils ont fait quelques efforts. Et d'ailleurs, en passant, tiens, puisque j'ai l'iPhone 7 dans les mains, au niveau de l'épaisseur des téléphones, on va essayer de faire un truc à peu près propre. Hop là. C'est pas trop mal. Le A3 est à gauche, l'iPhone est à droite. Ça se voit, hein. C'est pas beaucoup, il est pas beaucoup plus épais. Franchement, ils ont fait un beau travail d'optimisation. Le téléphone, donc à l'avant, bah, puisque ça tombe bien,
J'ai allumé le téléphone. Alors, à l'avant du téléphone, donc nous allons retrouver donc le haut-parleur, la caméra frontale, si je lis bien, qui fait du 8 mégapixels. Ah, j'ai oublié l'arrière, 13 mégapixels. Alors, ne jamais oublier que maintenant, ce n'est pas les mégapixels qui font le téléphone, enfin l'optique du téléphone, c'est vraiment l'optique en lui-même. Hein, on peut avoir 21 mégapixels et avoir des photos pourries, ça je l'ai déjà vu. Je vous dirai pas chez qui. Donc nous avons comme d'habitude chez Samsung en bas le bouton retour, le bouton multitâche et le bouton donc home qui fait aussi office de lecteur d'empreintes. Et ça c'est magique. Hein, c'est le A3 l'an dernier il n'y avait pas le droit, cette année il y a le droit et c'est vraiment pas mal. L'écran lui-même, donc du Super AMOLED en 4,7 pouces. Alors, on va reprendre l'iPhone. 4,7 pouces, c'est comme l'iPhone 7. Et pour résumer, on voit quand même que chez Samsung, ils ont fait un petit travail d'optimisation. Hein, si on met les deux téléphones à peu près au même niveau pour avoir l'écran, enfin, pour avoir l'écran au même niveau, on s'aperçoit quand même que le A3 est plus petit que l'iPhone. Et dans la prise en main, ça se ressent. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à avoir plus facilement, à attaquer plus facilement les angles. Le téléphone est vraiment plus maniable. Bon, l'iPhone est maniable aussi, mais on sent quand même que c'est un tout petit peu mieux. L'optimisation de l'écran a vraiment été bien faite par Samsung. Et c'est tant mieux, on ne va pas se plaindre. TouchWiz. Le nouveau TouchWiz. Je connaissais l'ancien. J'étais pas revenu chez Samsung depuis un bon moment, je crois que c'était depuis le S3 que j'étais pas revenu, et j'étais resté sur l'ancienne impression du TouchWiz, un truc moche, enfin un truc vraiment une insulte au mariage des couleurs. Et là, ils ont fait du bon boulot, ils ont optimisé le truc, au point que je peux me permettre de dire que maintenant je trouve que c'est même mieux que le Android Stock tout seul, et c'est vraiment bien. Même dans les paramètres, c'est un peu moins le bazar que ce que j'ai pu voir, même sur des téléphones d'amis que je manipule régulièrement, parce que je suis un grand curieux. Et là, franchement, ils ont fait du bon boulot, c'est pas mal. Franchement, ils ont assuré. Et c'est un truc, bon, ça reste encore un peu fouillis par rapport à moi qui suis habitué à Apple, mais c'est pas mal du tout. Donc, comme vous pouvez le voir, on retrouve, tout est classé par catégorie. Pendant que j'y suis, on va aller faire un petit tour du côté de la batterie. Batterie de 2350 mAh et bien optimisée. Ça marche pas mal du tout. Et vous voyez, je suis alors aux batteries estimées à 80%. Il estime qu'il va me rester encore 41 heures et 30 minutes, c'est ça. Donc je l'ai. Alors je sais pas si on va bien voir. Donc je l'ai sorti de la charge hier, un petit peu avant 9h. On est arrivé à la fin de la nuit à un peu plus de 50%. À la fin de la journée, j'étais à 60%. Donc, il a quand même perdu un peu de batterie pendant la nuit. Et je l'ai rechargé ce matin. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu le pic-punch. Malgré que ce ne soit pas un chargeur rapide, en l'espace d'une demi-heure de temps, je suis passé de 55% voilà, à 88% à peu près. Et là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais là, j'en suis à 83% de batterie. La batterie là-dessus, c'est une tuerie. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement oublier votre chargeur. Vous pourrez tenir, si vous avez une utilisation, on va dire basique, hein, pas de jeu, bien sûr, les jeux ça consomme toujours énormément. Vous avez si vous avez une utilisation basique, vous ferez la journée sans problème. La batterie, là, franchement, c'est une bonne surprise. Moi, je m'y attendais pas et j'étais agréablement surpris. Qu'est-ce que je pourrais encore vous faire voir de ce téléphone? Donc, je ne vais pas vous faire voir mon compte en banque, quand même. On va retourner dans les paramètres, regardez si on ne voit pas quelques trucs. Alors, oui. Là, stockage. Là, c'est le point noir. Je vous ai parlé de la batterie qui est très bien. L'autre point noir, c'est le téléphone qui est fourni donc avec 16 Go. On ne peut pas acheter plus. Et quand vous le sortez, utilisation système, donc il vous reste 11,6 Go de libre. Donc le système prend quand même beaucoup de place. Et là, il me reste plus de 4,4 Go après avoir utilisé quand même, après avoir installé quand même pas mal d'applications, certes. Mais la batterie vraiment, le stockage de l'appareil descend vraiment très vite au fur et à mesure que vous installez des applications. Vous vous dites, oula, je ne vais pas pouvoir mettre de musique ni de photos. Et l'achat d'une carte SD, c'est vraiment devient vite indispensable. Donc du coup, moi, je dois avoir une 32 gigas. Je peux peut-être le voir là-dessus. Alors c'est un peu ça le truc, c'est que, vous voyez, il nous parle de stockage là-dessus. Mais alors après, pour retrouver... Je dois avoir du 32 Go. Donc du coup, pour mettre la musique, les photos, pour mettre tout ça, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre une carte SD, sinon votre téléphone va vite arriver à saturation.
Écran de verrouillage et sécurité. Donc nous avons, vous voyez, les empreintes. Hop. Alors là, il va me demander mon code. Alors je vais pouvoir vous faire voir quand même. C'est un code secret. Ah, tiens, je me suis trompé. Réessayez, voilà. Donc moi, vous voyez, j'ai paramétré le pouce gauche, le pouce droit, puisque ça tombe naturellement sous le doigt. Des fois, l'index gauche, parce qu'on a le téléphone posé, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de poser un index. Et on ne peut pas en mettre plus. Impossible. Samsung a été un petit peu radin là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi ils sont limités à 3 empreintes, alors que 4, ça aurait été, je pense, voilà, parfait. On n'a pas besoin de mettre les 10 doigts, mais 4 empreintes auraient été tout à fait correctes. Avec les empreintes, vous pouvez donc déverrouiller l'appareil, déverrouiller votre compte Samsung et vous pouvez vous connecter à des sites internet. Vous pouvez, certaines applications aussi vous demandent aussi, comme Amazon, vous demandent si vous voulez utiliser votre empreinte pour être connu. Donc moi j'ai mis oui, c'est très pratique, je l'avais déjà sur le, enfin je l'ai déjà sur l'iPhone et ça mérite d'être développé parce que je trouve quand même que sur Android ça reste encore limité, mais je pense que ça viendra au fur et à mesure la démocratisation des lecteurs d'empreintes. Alors le lecteur d'empreintes, justement. Il est pas mal, mais alors il est un peu capricieux. Vous voyez, hop. Là ça marche. On va essayer de pousser. Ah, bah, pour une fois ça marche. Mais alors c'est vrai que des fois, selon la position de votre doigt, vous voyez l'index gauche, ah ça marche aussi. Ouh, miracle. Des fois, selon la position de votre doigt, vous pouvez vous retrouver assez rapidement à galérer un petit peu et à même bloquer l'appareil pendant 30 secondes. Donc voilà, un lecteur d'empreintes qui est pratique, qui fonctionne pas trop mal, mais bon, faut pas trop lui en demander non plus. Donc bon téléphone. Au niveau de la réception du téléphone, vous voyez, je suis dans un endroit où je capte pas terrible. Et hop, donc là, chez Bouygues Télécom, c'est le réseau qui doit passer le mieux ici. État de la carte SIM, il arrive quand même, voilà, à être en edge à 95 dB, dBm. Pas mal. Franchement, la réception du téléphone est vraiment, ça a été vraiment aussi la bonne surprise. Avec l'autonomie, ça a vraiment été agréable. Le téléphone est fluide. Tiens, pendant que je suis en train de faire mes muses avec, le téléphone est assez fluide. Alors, dans la nouvelle version de TouchWiz, pendant que j'y suis, vous voyez, on a des petites news. C'est désactivable. Moi, je les ai laissées parce que ça permet d'avoir un petit œil sur l'actu de temps en temps. C'est pas mal. Mais le téléphone, comme vous pouvez le voir, parce que je suis en train de faire muse avec au fur et à mesure, il n'y a pas vraiment de mauvaises surprises. Il n'y a pas de lag. Des fois c'est vrai qu'on peut avoir des petits ralentissements, mais c'est vraiment relativement rare. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que je pourrais faire voir d'autre? Il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. C'est un bon téléphone. Donc autonomie, vraiment au top. Autonomie au top. Réception très bonne. En appel, il n'y a rien à redire. On entend vraiment très bien. Il n'y a pas de problème particulier de coupure ou quoi que ce soit. Il est compatible voix HD, donc si votre interlocuteur téléphone lui aussi en 3G, en 4G, pas en 3G, pardon, en 4G pour l'instant, il est compatible VoLTE d'ailleurs. Si votre interlocuteur téléphone donc en 3G avec la fonction voix HD d'activer par son réseau, vous entendez vraiment très bien. Il est 4G+ aussi, donc en niveau multimédia, il est vraiment bien fourni. Il y a la radio. Donc le petit truc, mais bon ça maintenant sur les téléphones de cette gamme-là, c'est assez régulier. Bon, je sais, chez Apple, il n'y a pas, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, il tient bien la charge, il a un bon son, c'est un bon milieu de gamme. Franchement, Samsung a bien travaillé. Je serais tenté de dire qu'on est plus entre du milieu de gamme et du haut de gamme. Haut de gamme, on en est un petit peu loin quand même, mais on est un petit peu au-dessus du paquet. Le tarif du téléphone, par contre, un petit peu moins drôle, puisqu'il est à 329 euros. Enfin, il était à 329 euros. Vous avez une offre de remboursement donc de Samsung de 30 euros, ce qui nous met le téléphone à 299 euros. Et des enseignes comme Darty ou Boulanger le fait là, en ce moment même. Donc, ne tardez pas, après avoir vu cette vidéo, si ce téléphone vous intéresse. Boulanger le fait, si vous ramenez un vieux téléphone, n'importe lequel, peu importe, ils vous font une ristourne de 70 euros. Ce qui ramène le prix du téléphone à un tarif un peu plus acceptable de 229 euros. J'ai envie de dire, c'est quand même plus intéressant, c'est plus dans la gamme de prix que d'un milieu de gamme actuellement. Alors, faut-il l'acheter? Moi, je serais tenté de dire quand même oui. Si vous cherchez un téléphone en milieu de gamme, que vous n'avez pas trop les moyens, que vous cherchez vraiment quelque chose. L'écran, c'est du Super AMOLED, donc il est vraiment très très bon. Processeur octocore 1,6 Go, lecteur d'empreintes, une bonne batterie, il est 4G, 4G+. Donc l'écran, je l'ai dit, Super AMOLED 4,7 pouces, c'est-à-dire l'équivalent d'un iPhone. Eh ben, écoutez, si jamais vous voulez avoir un bon téléphone, moi je peux que vous conseiller de l'acheter.
Parmi les points noirs donc, que je relevais tout à l'heure, nous avons le lecteur d'empreintes qui est un peu capricieux. La dotation initiale en giga qui est vraiment trop légère. C'est 16 gigas maintenant, c'est vraiment. On se demande ce qu'ils sont allés faire. Maintenant, je pense que du 32 gigas, c'est vraiment le minimum. Dans les points, on va dire, moyens, l'appareil photo qui se débrouille bien en bonne luminosité, mais qui est vraiment, on va dire, pas terrible en faible luminosité. Bon, après, ça reste du milieu de gamme, donc ça reste acceptable, on va dire, pour les réseaux sociaux, pour Facebook, pour Twitter, pour Instagram, etc. Sur un petit écran, je veux dire, quand vous voyez les photos, ça reste quand même pas mal du tout, quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre en. Donc, en. Les points forts, on va parler des points forts maintenant. Oui, là, attention. Les points forts, et bien écoutez, ce téléphone. Capte très bien, a une très bonne autonomie, un système d'exploitation même avec un TouchWiz maintenant qui est quand même devenu pour moi acceptable. On est vraiment dans un téléphone qui est fluide, qui est utilisable. Il n'y aura pas de problème particulier. Après, à voir si les mises à jour, si le téléphone ne subira pas trop les affres du temps. Mais là, franchement, on est vraiment dans un bon téléphone. Donc moi, je ne peux que vous conseiller de l'acheter si vous cherchez un téléphone en milieu de gamme avec un tarif abordable. Voilà, donc c'était une petite review du Galaxy A3.